Allez, salut à tous, c'est CNDogs, on se retrouve aujourd'hui pour un tutoriel sur Minecraft complet et simplifié des farmers d'XP, donc tout ce qui est farmer d'XP et farmer de mob spawner, de tour à mob et tout ça. Donc on va parler tout ça dans cette vidéo. Donc je vais faire un petit sommaire pour vous montrer un peu de tout ce dont on va parler et on va se retrouver pour la première partie. Donc je vais commencer par dire un mot sur les farmers XP. Donc le principe d'un farmer XP, c'est de mettre le plus de dégâts aux monstres possible sans qu'ils meurent, afin que par la suite on puisse aller les taper et en un coup ils vont mourir. Donc nous on récupère l'XP et les loot en seulement en les tapant une fois, ce qui évite donc de gâcher du temps et parfois une épée, hein. Donc il suffit de les taper une fois à la main et on va récupérer donc l'XP, parce que s'ils mouraient directement on ne récupérerait pas l'XP. Alors pour la première partie, on va parler des spawners. Alors les spawners à mob, on en trouve différentes catégories. Donc on a les spawners à zombies, les spawners à squelettes et les spawners à araignées qu'on trouve naturellement sur les maps. Donc on les trouve dans le sous-sol ou parfois en surface, c'est beaucoup plus rare. On les trouve entourés de mossy stone, de mossy cobblestone, et ils ont un rayon d'action. Alors vous voyez que là le zombie à l'intérieur il tourne, ce qui indique que le spawner peut spawner, ce qui est totalement logique. Mais comme c'est le jour, vous voyez, il ne peut pas spawner, donc on va s'éloigner un peu pour voir qu'est-ce qui se passe quand on s'éloigne justement. Donc vous voyez que quand on s'éloigne, le zombie arrête de tourner et le spawner arrête de faire des flammes, ce qui indique que on ne peut, enfin il ne spawn plus. Donc il y a une distance de 25 blocs à partir du joueur. Donc si le joueur n'est pas dans la distance de 25 blocs autour du spawner, le spawner ne va pas spawner tout simplement. Donc ensuite, pour neutraliser un spawner, il suffit de le mettre à la lumière du jour ou alors de l'entourer de torches en haut et sur les côtés. Donc ça c'est pour la sécurité. Ensuite, un spawner spawn des mobs dans une surface tout autour de 9 sur 9. Donc vous voyez au centre ici on a le spawner. Oups, ici pardon. Donc ici on a 1, 2, 3, 4 d'un côté, 1, 2, 3, 4 de l'autre, et pareil ici. Donc on a un carré qui fait 9 fois 9 fois 9. Donc ça c'est la distance à laquelle ils peuvent spawner des mobs, et en hauteur ils spawnent les mobs sur 3 étages, donc 3 blocs. Donc là par exemple, si je me mets la nuit, hop, ce que je vais faire tout de suite, voilà. Si je me mets la nuit, vous voyez que les zombies vont spawner et ils ne pourront absolument pas spawner autour de la cage que j'ai faite, puisque je suis au maximum du spawner. À part les spawners, je vais remettre le jour pour que vous y voyez quelque chose. À part les spawners de zombies, de squelettes et d'araignées, on a également des spawners spéciaux. Donc on a les spawners d'araignées bleues qu'on trouve dans les mines abandonnées. On a les spawners de silverfish qu'on trouve dans les donjons de... Dans les forteresses, pardon, et on a également les spawners de Blaze qu'on trouve dans les forteresses du Nether. Alors voilà, ça c'était pour la partie des spawners, et on va se retrouver pour commencer les farmers AXP. Alors, on va commencer par le premier farmer XP, donc qui va être vachement utile si vous avez beaucoup de place au-dessus de votre donjon. Donc vous voyez, ça c'est l'installation, hop. Ça c'est l'installation, donc vous voyez, vous avez votre donjon ici, et vous avez hop, tout ça qui va arriver au-dessus. Donc ça peut être utile s'il est vraiment en basse couche ou s'il est presque à la bedrock. Donc il va être basé sur le fait que les mobs n'arrêtent pas de sauter. Donc ils vont arriver ici, ils vont passer dans cet ascenseur, donc ils vont pas arrêter de sauter, donc ils vont monter, hop hop hop, ils vont arriver en haut. Et ici, ils vont dégringoler. Ils vont dégringoler, ce qui va leur mettre des dégâts, et il va ne plus leur rester qu'un cœur. Donc vous voyez que, hop, j'ai passé en mode normal, j'ai plus qu'à tous les taper comme ça, hop hop hop, et je récupère l'XP. Voilà. Alors, on va voir un peu, hop, comment il marche. Donc on a le spawner, donc vous voyez là j'ai mis des spawners différents afin de vous montrer que ça marche. Donc ça marche que pour les mobs qui font du 2 fois, donc ça ne marche pas pour les araignées. Donc vous voyez les creepers, les zombies pigs, les zombies normaux et puis les squelettes. Alors, donc comme on a vu tout à l'heure sur cette cage,
J'ai fait un espace de 9 sur 9 dans lesquels ils vont spawner. Ils vont tomber dans la flotte et la flotte ici, elle va les rapatrier ici sur le cube de 2 sur 2. Ensuite, il faut faire... Oups, attendez, je suis bloqué. Voilà. Voilà. Donc ensuite, on va faire une tour dans laquelle plutôt, on va alterner des panneaux, donc des deux côtés, et de l'eau. Ce qui va permettre les mobs, quand ils vont sauter, vous voyez, de monter. Hop, 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 ils vont monter, ils vont monter, ils vont monter. Arrivé en haut, y a juste à mettre un petit truc d'eau, donc deux sources d'eau qui vont les amener ici. Et arrivé en bas, hop, on va avoir, donc vous voyez, les mobs vont arriver là, et nous on est un cran plus bas pour pouvoir les taper. Alors, au niveau de la hauteur, pour que les mobs se prennent des dégâts, vous voyez, ici on est au bloc 0, et quand on descend, il faut qu'il y ait 22 blocs. Donc il y a 22 blocs de hauteur pour que les mobs se prennent tout pile les dégâts, pour qu'il n'y ait plus qu'à les taper une fois. Et donc vous voyez, quand on se met en bas, hop, il n'y a plus qu'à les finir à la main. Donc là, il me semble que les zombies pigs sont beaucoup plus résistants que les zombies normaux ou les squelettes. Donc vous voyez que là, je les tape en 3 coups du coup. Mais si on met la nuit, voilà, on va mettre la nuit, et on va attendre le spawn des autres mobs. Et vous allez voir que ça marche très très bien. Donc je vais supprimer le spawner à zombies, voilà. Et donc vous voyez que les squelettes, ils vont arriver, ah bah pop, lui il va être poussé, oui, oui il va être poussé finalement. Et donc il va monter, ah bah pop, ils vont tomber et ça va recommencer. Donc ça c'est les spawners si vous avez de la place au-dessus de votre donjon. Et on va passer à la suite. Alors on se retrouve sur un deuxième type de farmer à XP, donc qui va être utile si vous avez de la place en dessous de votre spawner. Donc là c'est si le spawner est placé plutôt en haut de la map, puisque vous voyez qu'on va avoir toute une installation en dessous. Alors là, toujours le même principe que le précédent, sauf que le précédent on fait monter les mobs pour les faire descendre ensuite, et ben là tout simplement on va les faire descendre sans les faire monter. Donc vous voyez qu'on a toujours notre spawner. L'eau qui rabat les mobs, donc là vous voyez que comme les sources ne vont que jusque ici. Donc vous voyez ici la démarcation. J'ai creusé un cran plus bas, histoire de faire tomber les mobs jusque là. Ici j'ai mis deux cubes de verre pour éviter que les mobs sautent, puisque la hauteur est calculée pour que les mobs tombent tout pile pour avoir plus qu'un cœur. Donc s'ils sautent, ils vont tomber de plus haut et ils vont mourir. Ensuite, ici j'ai mis trois petits panneaux pour éviter que l'eau ne coule dans le tuyau. Ensuite ici on a notre chute de 22 blocs, donc de 1 à 22. J'ai pas mis de panneau, mais... Ah si, il est là. Hop, de 1 à 22 blocs. Et ici, vous voyez que tous nos petits mobs arrivent en bas. Donc toujours le même principe. On est un niveau en dessous d'eux, et on a que leurs pieds pour éviter de se prendre les dégâts. Donc je vais mettre, hop, en survival, et j'ai plus qu'à les taper. Donc parfois, on doit les taper deux fois, parfois une fois. Donc c'est pas méchant. Hein. Oups, pardon, je me suis pris une flèche. Et voilà. Hop, et vous voyez, donc on récupère l'XP et les loots. Voilà, donc je vous le remontre encore une fois. On a la plateforme de 9 sur 9, comme je vous ai montré tout au début. On a les mobs qui spawnent, ils tombent dans la flotte, ils sont rabattus jusqu'ici. Ici, deux petits cubes pour éviter qu'ils sautent. Vous voyez, hop, ils vont tomber de 22 blocs et ils vont se faire mal. Et on va pouvoir les taper en bas. Voilà, donc ça c'est utile si votre spawner est placé en hauteur, ou votre tour à mob, parce que j'ai oublié de dire qu'on pouvait également faire ça à la sortie du tour à mob, sauf pour les araignées. Et donc, on se retrouve pour le troisième type de spawner. Allez, à tout de suite. Alors, on se retrouve pour le troisième type de farmer XP. Donc, c'est un farmer XP que vous voyez juste ici. Et qui va être utile si vous n'avez pas beaucoup de place en dessous, ni pas beaucoup de place au-dessus. Donc c'est un farmer plutôt étalé en longueur autour. Et ça va être un farmer qui va vous coûter un peu cher en redstone, mais qui est assez pratique. Donc en haut on a toujours notre nos mobs spawner. Donc là vous voyez que l'inconvénient c'est qu'ils sont placés en hauteur, j'en ai mis plein pour que ça spawn. Donc les mobs se prennent parfois des dégâts, ce qui va pas être cool pour la suite, donc je vais vous montrer pourquoi. Donc j'ai mis des sources d'eau pour les rabattre sur le carré de 9 sur 9 au centre. Je les ai décalées de 1, normalement elles devraient être là, pour que l'eau ne tombe pas dans mon système. Ensuite, hop, je vais mettre le jeu. Donc les mobs arrivent tous donc ici normalement. Il tombe sur les plaques de pression, et vous voyez que quand on est sur les plaques de pression, hop, on est toujours repoussé au centre. Quoi qu'on fasse, on est repoussé au centre. Donc, hop. Pourquoi? Parce que, tout simplement, les plaques de pression sont liées à un riviteur, qui est là, qui est relié à un bloc, qui est relié au piston, donc qui va les pousser. Donc quand on tombe sur une plaque de pression, hop, on est
immédiatement éjecté de celle-ci. Donc, hop, je vais vous montrer, on a tous des pistons ici, là, 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 et là. Et là, oui, il faut le cacher, donc ce qui vous permet de rabattre tous les mobs sur un carré de 2 sur 2, donc qui est au centre. Hop, je vais remettre ça. Donc une fois que tous les mobs sont rabattus au centre, donc ici, sur un carré de 2 sur 2, donc on voit leur pied qui dépasse juste là. On les a bloqués avec une petite porte qui est ici, donc là, juste là, c'est ce piston là qui fait porte. Et donc on va les envoyer juste en dessous. Donc je vais ouvrir la porte, voilà, ils tombent tous en dessous. Je vais éviter qu'il y en ait des qui se prennent des dégâts en sautant. Donc pour ça, je vais fermer l'eau. Voilà. Ensuite, je referme ma porte à piston. Voilà, donc une fois qu'ils sont tous coincés dans ce petit carré tout mignon, je vais rouvrir l'eau. Donc ça, c'est pas l'eau n'est pas utile. Hein. C'est juste pour pas qu'ils se prennent des dégâts comme ils sont forts en hauteur. Moi, ça, ils prennent des dégâts, mais c'est vraiment pas utile pour vous. Faut pas. Y a pas d'eau. On imagine qu'il n'y a pas d'eau. Ensuite. Donc là ils arrivent comme ça, tout voilà, ils sont coincés dans ce carré de 2 sur 2 et là ce qu'on va faire c'est qu'on va les étouffer avec les deux pistons qui sont là, vous voyez ils vont pousser les blocs et ils vont étouffer les monstres jusqu'à temps qu'il leur reste plus qu'un cœur de vie, donc c'est toujours le principe du farmer XP, donc voilà, on va appuyer sur ce bouton et je vais vous détailler le principe du circuit juste là après. Donc vous voyez que là il meurt dans le mur et quand mes pistons reviennent, il me reste mes mobs. Oups, pardon, ça c'est un fail. Il me reste mes mobs et j'ai plus qu'à les taper une fois à chaque fois. Et il meurt. Ah, voilà. Donc vous voyez, ça c'est le principe général. Donc, je vous récapitule un peu. Les mobs, ils tombent, ils sont rabattris ici. Ici, on les remet sur un carré de 2 sur 2. Ensuite, on ouvre la petite porte qui est par ce piston-là. Les mobs tombent dans le carré d'en dessous. Ils sont... broyer avec les deux pistons qui sont là jusqu'à temps qu'il leur reste un cœur de vie, ensuite on se met là et on les tape. Donc on va voir le système tout de suite, donc on va pas s'attarder sur la porte, hein. La porte c'est juste un levier qui ouvre et qui ferme ce piston, et on va voir le système de redstone. Allez re, donc on se retrouve pour le système de redstone de ce farmer XP ici. Donc ici on a notre petit bouton, ici on va construire ce qui va nous permettre d'étouffer les mobs, donc on met deux pistons collants dans ce sens là, avec deux blocs. Donc ici, il faut imaginer que les mobs ils tombent ici, hop, et ils vont se faire étouffer comme ça. Alors, donc, notre bouton, on va le relier d'abord à une RS Norlatch. Donc une RS Norlatch, c'est une balance qui va vous permettre, donc, quand on envoie du courant dans ce bloc-ci, d'allumer le signal, et quand on envoie dans ce bloc-là, d'éteindre le signal. Donc, hop, vous le reliez comme ça. Vous voyez la torche ici d'entrée, elle va être allumée par défaut. Ici, ça va être la sortie du RS Norlatch. Ensuite, le signal qui vient du bouton, on va également le relier à une série de repeaters, donc c'est ce qui va déterminer le temps pendant lequel les pistons vont être appuyés. Donc on va mettre 23 repeaters, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, hop, je mets une petite redstone, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 16 plutôt, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Donc on a 23 repeaters. Donc on va régler les 22 premiers repeaters sur 4. Donc on va les régler au cran maximum. Voilà. Et le dernier repeater, on va le régler sur le troisième cran. Donc en fait, ce délai va permettre à l'IRS Norlatch d'être initialisé après le délai. Et donc ça va être le temps idéal pour que les mobs étouffent dans le mur jusqu'à temps qu'il ne reste plus qu'un cœur. Donc si ce temps il vous paraît un peu grand, donc il vous paraît un peu grand, c'est-à-dire que les mobs, certains mobs peuvent mourir parce qu'ils se prennent des dégâts. Donc si vous paraît trop grand, il suffit de régler le premier repeater ici, il suffit de le régler un peu moins fort pour éviter que les mobs meurent. Donc ça dépend un peu de si vous avez des lags, si vous êtes sur un serveur, si vous avez différents mobs. Donc voilà, donc ça vous, il suffit de régler le dernier repeater à plus ou moins fort en fonction de si les mobs meurent ou pas. Donc on relie au deuxième bloc, et là vous voyez que si on appuie sur le bouton, ici notre courant s'allume, tous les repeaters, hop, ils font leur effet, et ils vont aller réinitialiser ici la porte Norlatch, donc ça va être éteint. Voilà, donc ça c'est notre système basique, il suffit de le relier, hop, oh zut. Il suffit plus que le relier aux pistons qui sont ici, donc on va faire ça à l'aide d'un petit repeater qu'on va placer ici pour que les deux pistons soient alimentés. On fait courir un fil de redstone, tac, jusque ici,
à la porte Norlatch, et voilà, on a notre système. Donc vous voyez que quand on appuie sur le bouton, les mobs vont étouffer, et le temps que la porte Norlatch soit réinitialisée par tous les repeaters, et ben les mobs ils vont leur rester plus qu'un cœur de vie. Donc vous voyez, hop, ça va être reset, et voilà. Donc je vous montre une vue de haut du système. Donc vous voyez ici le bouton, ici la porte Norlatch. Le bouton il est relié à toute une rangée de repeaters qui va revenir réinitialiser la porte Norlatch qu'on relie au piston. Voilà, donc ça c'était pour le système, le troisième système, et on va se retrouver maintenant pour les farmers XP spéciaux. Allez, à tout de suite. Allez, re à tous, donc on se retrouve sur les spawners spéciaux. Donc le premier qu'on va voir, c'est les spawners d'araignées bleues. Donc là, le problème, c'est que les araignées bleues, elles sont situées que sur un cube, donc elles font un cube sur un cube. Et on peut pas les rabattre sur un seul cube, en plus elles montent aux parois, donc c'est assez chiant. Donc hop, on va mettre la nuit, elles vont spawner. Donc là, j'ai fait toujours le même système, vous voyez, comme les sources d'eau vont pas jusqu'au bout, je creuse un cran en plus. Et on va tous les rabattre sur un cube. Donc voilà, je les rabats sur un cube. Je les envoie dans mon petit tunnel de la mort. Donc vous voyez qu'elles vont, elles vont avancer normalement. Bon, elles sont un peu longues. Ici, j'ai toujours, comme le spawner précédent, j'ai une porte afin de les faire arriver ou pas. Donc vous voyez, je peux fermer ou pas à l'arrivée des araignées. Voilà. Donc là, on va tous les faire arriver. Hop, hop, hop. Je vais remettre le jour au passage. Donc celle-là, elle a l'air bloquée. Je sais pas ce qui lui arrive. Donc on va fermer. Alors là, oui, j'ai oublié de vous dire. Pour l'arrivée des araignées, ici, donc on a un cube. Et en fait, elles vont monter et se plaquer contre la barrière en métal. Donc ça c'est pour tous les mettre dans un coin. Donc je vais vous le refaire, hop, sur la plateforme. Donc ici on a l'arrivée des araignées. Oups, voilà. Donc les araignées, elles vont arriver comme ça, avec l'eau. Et donc ce qu'on va faire, c'est que ici on va avoir un cube et au-dessus, on va mettre la barrière qui est là. Voilà. La barrière qui est là. Voilà. Donc il faut pas la mettre comme ça, parce que comme ça vous voyez que ça c'est considéré comme un bloc entier. On va pas pouvoir taper les araignées par la suite. Donc il faut mettre un bloc à côté pour que on puisse taper les araignées par la suite. Voilà. Donc ça c'est pour le système des araignées. Et une fois qu'elles sont mises comme ça, il suffit d'appuyer sur le bouton qui est là. Et avec le même principe que la dernière fois, donc sur ce spawner-là, elles vont étouffer dans le mur. Alors là, ce que j'ai fait, c'est qu'il y a un délai différent. Donc j'ai 12 répéteurs sur le dernier cran et un répéteur sur le cran juste avant. Et donc vous voyez qu'une fois que j'ai agi avec mes petits pistons, si je me remets en mode normal, il suffit de passer par au-dessus. Donc là, je ne peux pas me faire taper, hein. Il suffit de passer par au-dessus et on peut les taper. Voilà, donc vous voyez qu'il suffit de cliquer une fois et elle meurt. Et ensuite, pour récupérer l'XP, il suffit de passer comme ça sur le côté, on récupère l'XP et les loots. Voilà, donc ça c'était pour le spawner d'araignée bleue. Hop, je vais me repasser en créa. Donc vous voyez que le problème, c'est que les araignées, elles se suivent à la suite, elles peuvent pas se stacker, mais dès qu'on arrive comme ça, elles vont monter, vous voyez. Et elles vont tous se mettre ensemble. Voilà, donc ça c'était pour le spawner d'araignée bleue, et on va se retrouver pour le spawner de Blaze. Voilà, alors on se retrouve pour le deuxième farmer AXP spécial, c'est celui des Blaze. Alors les Blaze, donc on les trouve dans les forteresses du Nether. Alors il faut savoir que ce farmer AXP est très très compliqué à construire en survival. Donc moi j'ai déjà fait sur un serveur, mais ce qui va être utile donc c'est les potions de résistance au feu. Donc si vous voulez construire ce farmer à Blaze en survival, il faut absolument que vous ayez des potions de résistance au feu, sinon vous n'allez jamais y arriver. Voilà, alors. Donc là le problème c'est que les blazes volent, donc ça c'est assez chiant. Et donc il faut les enfermer complètement dans un cube comme ça. Donc je vais vous l'ouvrir histoire de vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Hop, voilà. Donc à l'intérieur, eh ben, on a notre magnifique spawner blaze. Voilà, qui est là. Donc les blazes vont spawner, et là ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris le même système que celui qui est là, avec les plaques de pression. Sauf que je l'ai fait d'un cran plus grand. Donc vous voyez que les blazes vont d'abord tomber ici. Et ensuite ils vont descendre dans l'étage suivant. Donc vous voyez, je vais faire une démonstration. Quand je tombe ici, hop, je suis repoussé là et je suis repoussé donc sur le cube de 2 sur 2. Sur le cube de 2 sur 2 comme sur les autres farmers. Donc voilà, je vais remonter, je vais le fermer. Tac tac tac.
Tac, 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 tac. Donc pour éviter que les blazes spawn, donc là c'est tout simple, hein. J'ai juste fait le truc de 3 sur 3 comme je vous ai montré tout à l'heure, sauf que j'en ai fait un au-dessus plus grand, avec toujours le système des pistons et des repeaters. Donc voilà, je vais fermer vite fait le farmer pour éviter qu'il y ait des blazes qui s'échappent. Et on va passer à la suite. Alors, en dessous, donc vous voyez, tous nos blazes arrivent ici. Donc j'ai toujours le système de petites portes à pistons, donc qui va nous permettre de faire tomber les blazes dans le trou ici. Une fois qu'elles sont bien toutes tombées, alors ça, ce qui est assez chiant, c'est qu'elles sautent. Donc parfois, il y en a des qui se prennent des dégâts. Donc là, je vais essayer de fermer sans trop qu'elles se prennent des dégâts. C'est loupé. Donc une fois qu'elles sont tous dans un petit coin comme ça, et ben c'est exactement le même système que d'habitude, donc avec l'ARS dans latch et les petits répéteurs. Donc ici j'ai 23 répéteurs sur le quatrième cran et un répéteur sur le deuxième cran. Ce que je vais faire, c'est que je vais appuyer sur le bottom et voilà. Donc mes blazes elles vont étouffer avec les pistons qui vont les pousser ici. Et je vais me mettre en game mode normal. Voilà, ici j'arrive et j'ai plus qu'à les taper une fois et elles meurent toutes. Donc voilà, je récupère l'XP et puis les petits bâtons de blaze qui sont là. Et après, j'ai plus qu'à recommencer. Donc vous voyez qu'il y a de nouvelles blazes qui sont arrivées pendant ce temps-là. Hop, je fais ça, j'appuie et voilà. Donc ce qui est très compliqué en survival avec les blazes, c'est qu'on ne peut pas stopper le spawner tout simplement parce que même si on met de la lumière, le spawner envoie des blazes quand même. Et en plus, si ça se situe dans le nether, donc si vous voulez faire des aménagements autour, c'est assez compliqué puisqu'il y a de la lave et tout. Donc si vous avez des potions de résistance au feu, c'est le moment de les utiliser parce que là c'est vraiment utile pour construire ce spawner. Voilà voilà. Une petite astuce que j'aimerais vous montrer également, c'est que j'ai utilisé toujours des spawners, mais le problème c'est que vous pouvez aussi faire ça à la sortie des tours à mobs. Le problème des tours à mobs, c'est que non seulement on a les skookers, les creepers et puis les zombies qui spawnent, mais on a également les araignées. Et les araignées, c'est absolument pas cool. Donc les araignées, c'est pas cool puisque ça fait pas la même taille que les autres mobs. Donc ce que j'ai fait, c'est ici, il y a un système. Oups là. Qui va permettre donc de noyer les araignées au fond. Donc vous voyez que les araignées, elles vont rester au fond, elles vont couler. Donc elles vont couler et vous pourrez récupérer leur loot. Et pas les. Donc ça va noyer les araignées, mais pas les squelettes, les zombies et les creepers. Donc vous voyez que là je les ai amenés dans ce petit système. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un tuyau en verre. Dans lequel donc j'ai mis ici une source d'eau, ici une source d'eau. Donc vous voyez ici la source d'eau. Hein. Hop. Oh, je suis tombé. Donc vous voyez, j'ai mis des sources d'eau afin de rabattre les araignées au fond. Donc ici une source d'eau, ici une source d'eau, ici une source d'eau aussi. Voilà, donc ça rabat toutes les araignées au fond. Donc les araignées sont coincées au fond. Tandis que les squelettes et les zombies ne se noient pas. Donc ensuite, il suffit de faire une sortie pour les squelettes et les zombies. Un cran plus bas, s'il vous plaît. Donc une sortie qui fait que 2 sur 1. Et donc là, vous voyez que les squelettes et les zombies, ils vont sortir, mais les araignées, elles vont se noyer. Donc là, c'est une araignée, elle va finir par se noyer, voilà. Donc vous voyez que les zombies... Les squelettes sortent, mais les araignées se noient. Et en plus, vous pouvez récupérer les loots à la sortie. Donc vous voyez que là, les araignées, hop, elles vont pas tarder à se noyer. D'ailleurs, même un squelette qui se noie, mais là, c'est parce qu'il y a trop de mobs, en fait. Je spawn trop avec mes spawners. Donc là, il y a un squelette qui se noie, mais c'est parce qu'il y a trop de mobs. Et donc voilà, donc ça, c'est comment faire le tri entre les araignées, les squelettes et les zombies. Voilà, voilà, donc c'était tout pour le tutoriel complet sur les farmers XP. Donc si vous avez la place au-dessus, en dessous, les farmers XP à araignée bleue, les farmers XP à blaze. Donc j'ai tout fait les farmers XP. Et on se retrouve bientôt pour d'autres tutoriels complets sur ma chaîne. Allez, salut à tous!